aux grands mots, les grands moyens. Pour venir en aide à Céline Dion, souffrant de graves problèmes de santé, une fan pense avoir trouvé la solution. Sur Instagram, Guillemette Moreau-Pernet, kinésithérapeute du Puy de Dôme, lui présente la thérapie Vojta, peu connue aux États-Unis et au Canada, selon le quotidien La Montagne. Je tenais à m'adresser à vous, tout particulièrement aujourd'hui, pour vous tenir informé du fait qu'il existe au moins une technique de rééducation sur Terre capable de venir en aide aux patients qui, comme vous, souffrez de maladies neuromotrices, commence par expliquer la présidente de Vojta France dans sa vidéo. Contacter Céline Dion via les réseaux sociaux pour lui proposer son aide, une idée que lui a soufflé sa stagiaire. Alors voilà, Céline, je fais un réel sur Insta et j'espère que, à un moment donné, ce message viendra jusqu'à vos oreilles et qu'après coup vous pourrez me contacter pour que, peut-être, je puisse vous rendre service et vous venir en aide, conclut Guillemette Moreau-Pernet. Un message salué et relayé par de nombreux internautes à en croire les commentaires, merci pour votre message, j'espère que Céline le verra, j'ai partagé au maximum Guillemette. J'espère que vous allez trouver Céline pour pouvoir faire connaître votre superbe méthode ou encore faisons voyager votre vidéo, peut-on lire. Supérieure à photo, Céline Dion, son incroyable évolution beauté en 50 looks qui ont marqué sa carrière. Céline Dion atteinte d'une très rare anomalie neurologique en décembre dernier, Céline Dion s'est confiée sur la maladie dont elle souffre, l'obligeant à reporter à nouveau toutes ses dates de concert. Récemment, j'ai été diagnostiqué d'une très rare anomalie neurologique appelée le syndrome de l'homme raide, a annoncé la chanteuse de 54 ans dans une vidéo relayée sur ses réseaux sociaux et sur YouTube. Un trouble qui touche une personne sur un million qui est la cause des spasmes qui affectent chaque aspect de sa vie. Si elle promet de travailler très dur pour récupérer ses capacités, elle reconnaît, c'est difficile. Avant d'ajouter, tout ce que je sais faire, c'est chanter, c'est tout ce que je fais dans ma vie et c'est ce que j'aime le plus au monde. Je me donne toujours à 100% lors de mes représentations, mais ma condition actuelle ne me permet pas de vous donner cela en ce moment. Je fais tout ce que je peux pour me rétablir. Crédit photo, Back Grid UK.